Salut à tous, c'est Hypol47 et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui ressemble à la fois à Team Fortress 2 et à Minecraft. Je veux bien parler de Brick Force. Donc, je vous propose aujourd'hui de découvrir la bêta VIP de Brick Force. Pour pouvoir accéder à cette bêta VIP, il faut s'être inscrit avant le 26 avril ou alors avoir un ami qui lui est inscrit. Enfin, qui est sur le bêta VIP et qui peut vous passer, je crois, un code ou un accès, je sais plus trop bien comment ça marche. Dans le cas contraire, il faut attendre que la bêta elle passe ouverte à tous. Voilà, donc nous allons découvrir cette bêta VIP ensemble. Alors, quand je dis ensemble, c'est à la fois moi et vous, viewers, mais aussi en compagnie de Villa du Dragon 77. Salut à tous, c'est Villa du Dragon. Alors comme l'a si bien dit notre ami Hypol47, on se retrouve pour faire une vidéo sur le beau, le... Non, pas le beau. Enfin, sur Brick Force, qui est en bêta pour le moment. C'est une bêta, justement, une bêta ouverte VIP. Donc pour les VIP. Donc tous Ouais. ceux qui ne sont pas VIP ne sont pas VIP et ne peuvent pas rentrer. Voilà. Tout à fait. Donc, on y va? On commence? D'accord. Allez, c'est parti. Donc, je te propose de faire le didacticiel à l'arrache, parce qu'on l'avait déjà fait. Ok, t'es Allez, c'est ready? parti. 3, 2, 1. Ah, j'ai cliqué avant. Didacticiel. Bon, c'est J'ai pas cliqué. grave. Go! Oh! Oula, par contre, le. Bonjour, je suis l'instructeur Kim. Je vais t'expliquer comment jouer à Brick Force. Alors, le Ah oui, c'est son, vrai que par c'est. contre, il est un petit peu fort. Bon, c'est pas grave. Ça pique les oreilles. Il faut passer son clavier en QWERTY, je crois. Alors attends. Ah, moi perso, j'avance. Moi c'est quoi? C'est Shift Maj, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi je sais pas, moi je joue avec ce qu'ils disent. Hein. Moi je joue avec W. Bon, bah Ok. je t'attends pas, hein, voilà. Allez, vas-y, fonce. J'ai pris la clé. Beau travail, ce n'était pas difficile. Ouais, ramasser une clé par terre, j'ai envie de dire. Pareil. Ah, j'ai cassé une cible à coups de poing. Cassons la cible. Alors j'espère que le son n'est pas trop fort. Oh, chaque arme de mêlée dispose d'une portée. Je t'en Oh. sors bien. Essayons maintenant de sauter. Oh, j'ai sauté. Mais qu'est-ce que j'ai sauté? Tu n'as rien sauté du tout, petit D'accord. coquin. Ah, on peut pas viser, c'est vrai. Ah oui, c'est ça qui est dommage. Oh, bien joué. N'oublie pas que nos têtes sont visibles. Oui, bah ta tête fait un peu tout ton corps, donc. Alors, Oh, les grenades. Villa use de grenade. Attention, grenade! Oh, la voix! Oh, t'as vu la voix? Attention, grenade! Elle est nouvelle celle-là, elle était pas là, elle était pas comme ça dans la. Ah, mais est-ce que c'était pas en français dans la bêta fermée? Moi j'ai Taïwanao! Putain, mais tu vas péter, saloperie! Moi ça fait attention, grenade! La voix trop bizarre. C'est la voix de Bob l'éponge? Ah oui, eh ben oui, c'est vrai. Ils ont engagé un Ou nouvel Patrick, acteur. je sais plus. Le Ah, premier. on va enfin pouvoir utiliser mon ami que je n'ai jamais utilisé, le sniper. Moi je l'ai bien utilisé, j'adore cette arme. Elle tue. Alors, oh, il y a une cible là-bas! Headshot! Headshot à la cible! Didacticiel terminé, oui! On a terminé le didactiel avec succès et on ne reçoit rien du tout à ma grande surprise alors Oh qu'on. non, on a que dalle! Oh, c'est dommage. C'est pas grave, bon. Quoi qu'en soit, je te propose de découvrir les comment dire les nouveautés dans les objets. Va dans la boutique, tu vas voir. Boutique. Il y a de nouvelles armes, il y a les néons. Le Matra, je crois néon. que c'est ici. Il y a des. Ah non! Oh, la bombe aveuglante! Non, ne fais pas ça! Parce que Villa, il y a une sale tendance d'envoyer des bombes qui Mais aveuglent. y a plus la bombe fumigène! Non! Il y a la matraque, mais il y a plus la fumée! Oh non! Ah si, elle est là! Oui, je Ah, t'aime! putain, je vais voir Oh, celui-ci. la bombe T'es pas trop fumigène, fort. j'adore enfumer les maps! Ouais, mais ça fait la ramer à mort après. Bombe aveuglante, objet En essentiel fait, j'ai pour vu aussi que pour toute arme achetée, t'as 50% de jetons offerts. Donc, je te propose d'acheter une arme. Pas maintenant, j'ai pas assez d'argent! Et on a. J'ai zéro jeton. Mais t'as pas besoin de jetons, c'est des points, je crois. Ouais, non, mais par exemple, la bombe aveuglante, c'est et des points et des jetons. Ah. Eh, mais maintenant, on peut. Mais non. Non, c'est l'un ou l'autre. C'est. Ouais, non, tu peux utiliser des points. Par exemple, le fusil d'assaut BR4, lui, c'est 15,120, on n'a pas assez. Il faut prendre une mitrailleuse. C'est laquelle que tu prenais avec qui tu faisais un ravage, une arme C'est chimique? la BPSH41. Mais BPSH41D. attends, il y a un prix et en points et en jetons. Non, je pense que c'est l'un ou l'autre. Sinon, voyons voir. Ah oui, au fait, il y a des objets spéciaux, tu vas voir ce que c'est. C'est assez bizarre, c'est pour le mode édité. Ou alors C'est en aussi. spécial? Ouais, Objet objets spécial. spéciaux, tu vois. Permutation, tireur,
fusil à briques. Alors ça c'est pour le modalité, en fait c'est ton arme, tu sais je l'avais dit, elle ne vise plus à l'infini maintenant. Ça allonge la vitesse, enfin la distance de visée. Oh non, c'est trop beau. Tu peux mettre des trousses sur le champ de bataille. T'as même j'avais vu un des jackpot. Des munitions. Je sais plus où c'est, j'avais des jackpots aussi. Jackpot. Ah non mais c'est trop beau. Capacité du chargeur des pistolets augmentée. Ah oui voilà, va dans accessoires, il y a des jackpots. Des jetpacks. Des jackpacks, tu vois, il y en a 3. Tu peux les utiliser en combat aussi? Je pense pas, je pense que c'est qu'un mode d'utilité. Sac de masque à gaz. Faut tout payer, c'est chiant, ça c'est un... Tout à la fin? Hein? Ah oui. Ouais, c'est à la fin. Aile d'ange, aile de démon, jetpack. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, moi je trouve qu'il faut payer tout ça là. Je te propose d'aller dans le mode édité pour voir les nouveautés. J'achète pas d'armes encore, je sais pas que ça. Ouais, je vais dans. On va sur MapEdit 01FR. Ouais, j'en crée une. Alors, créer. Mot de passe, évidemment. Ouais, bien sûr. Pas qu'on nous rejoigne. Alors, je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre? Cette musique, elle est bien, mais quand vous jouez longtemps, elle est prenante. YouTube. Oh non! Oh non, on est revenu niveau 1! Oh non! Oui, non, ils ont tout reset à 0. Oh bah non, mon super. Comment je vous mettais tous avec mon super niveau? Alors, le mot de passe, je vais mettre 2, 4, 6, 8. Là, on s'en fout. Voilà, maintenant vous savez tous les mots de passe que iPol même. Ça, ouais. Alors, je vais choisir cette carte. Je fais une map blanche? Tu peux. Non, c'est une map que j'avais déjà commencé il y a très longtemps. À l'arrache. Mais laquelle c'est? Il y en a juste une qui s'appelle 1vs1 YouTube, mais laquelle c'est? Bah c'est celle-là. Chou. T'es où? Oh c'est celle-là. Il tombe du ciel, oui ou... Alors regarde, maintenant t'as de nouveautés en bas, tu vois, il y a des actions que tu peux faire. T'as F, G et H normalement. Ouais, alors F c'est pour poser des blocs normales. Voilà, le G c'est pour poser des blocs sur une ligne, regarde je vais te montrer. Alors tu fais G. Ensuite, donc tu sélectionnes un endroit, donc on va prendre des blocs spéciaux, je vais prendre des blocs d'acier, voilà. Je sélectionne cette zone, regarde, je clique un endroit. Ensuite, je vais cliquer à un autre endroit, donc par exemple... Oui, c'est le World Edit de Minecraft. Voilà, en quelque sorte, ouais. Donc on peut faire en biais, on peut faire en hauteur, comme ça. Voilà, on va faire ici, hop. Et hop, ça va construire tous les blocs d'un seul coup. Waouh, c'est beau. Voilà, tu vois, attends, je vais essayer moi aussi. Je vais prendre. Alors, ce qui est chiant, c'est que tu remarqueras qu'il y a un nombre d'utilisations limité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vas devoir en racheter, c'est obligé. C'est quoi, c'est. Ah, je sais plus utiliser. C'est G, tu sélectionnes un endroit puis un deuxième endroit. Mais j'ai pas plus sélectionné. Ah, j'ai pas plus sélectionné. Mais bon, t'y arrives pas. Tu n'as pas l'autorisation de modifier la carte. Ah, mais voilà, attends, je vais m'en occuper. Alors, attends. Je monte sur la tête, voilà. Voilà, tu peux construire maintenant. Sélection. Choisis un endroit. Mais c'est selon le nombre d'utilisations ou selon le nombre de blocs que tu mets? Nombre d'utilisations. C'est-à-dire que tu peux faire ça jusqu'à 500 blocs. Et après, tu dois en racheter, je crois. Tu ne tiens plus à ta map? Non, mais c'est bon, je ne sauvegarderai pas. Vas-y. Clique un endroit, clique un deuxième endroit. Et après tu recliques normalement, et après tu fais confirmer. Début. Ah oui, oh oh. Énorme. Ah oui d'accord, tu vas pas de mort toi. Et donc si on les supprime, ça nous redonne du truc ou pas? Non c'est... Non. Non, ça redonne rien du tout, c'est un nombre d'utilisation limité. C'est un nombre d'utilisation limité sur une telle map ou non? C'est en général, je veux dire que tu peux faire ça jusqu'à 500 fois. C'est-à-dire, tu peux faire des lignes de 500 blocs. T'as 500 blocs, pas plus. Et après, tu dois racheter ça. Ah, mais la suppression, elle marche plus aussi bien. On est obligé d'attendre chaque suppression. On est obligé d'attendre chaque suppression, c'est nul. T'es sûr? Ouais. Allons voir, attends. Oh, mais la portée, mais non, non. Ouais, mais ça a changé. Bah oui, ils ont mis. Une portée de 5 mètres maximum. Non, mais ça va, ça c'est rapide quand même pour la. Supprimer. Sinon regarde, maintenant t'as le H, alors le H il te permet de changer tous les mêmes blocs d'une map. Alors par exemple, vous voyez il y a ces blocs là gris, tu les vois les blocs gris là comme ça là où je suis. Je veux tous les transformer en blocs... la map. En bloc comme ça là, tu vas voir, en bloc comme ça, regarde, attends, F. Je veux tous les transformer comme ça.
vois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le H, je vais cliquer dessus, et donc je vais déterminer le type de brique, donc c'est celui-là. Je peux choisir bien sûr, donc non, vraiment je vais le changer en échelle. En bloc bleu, qui pique aux yeux. Oh non. Et là je fais début, et ça va tout se modifier. Ah, ça pique les yeux. Oh, sur toute la map. Voilà, donc tous les blocs de même type ont été changés en bleu. T'es bugué, Apple. Ah bon, je suis bugué? Non, non, t'es en train de sautiller à l'infini sur un bloc. Ok, d'accord. On a vu comment ça marche. Ouais, je vais. Allez, je vais gâcher du bloc. Moi, je fais un suicide. Space! Je viendrai faire space avec toi après. Alors, comment on fait? Tu sélectionnes une brique. Voilà, et tu fais modifier. Part de la brique comme ça. Alors, B, non, des briques. Donc voici l'inventaire, hein. Vous pouvez voir qu'on peut poser plein de types de blocs. Donc notamment les blocs colorés. Je te propose de découvrir ça en même temps, Pila. Oh, mais on peut stopper le truc en plein milieu. Ouais. Voilà, il y a des briques bleues et des briques pas bleues. Pila, je te propose de montrer, parce que bon, il a aussi film. Je te propose de montrer en même temps l'inventaire, enfin tous les types de blocs qu'il y a. Alors, c'est quoi l'inventaire? C'est B. Donc, vous pouvez voir que là c'est les blocs normaux, hein, que vous pouvez poser. Donc, vous pouvez poser des blocs spécifiques. Il y a aussi les blocs donc, colorés. Et les blocs type déco qui sont là. Ah, il y a des nouveaux? Non, même pas. Tu peux tous les mettre en fait. Hein. Avant, dans la bêta, sans avoir besoin de rien acheter. Hein? Sans avoir besoin de rien acheter. Non, t'as vu, on est plus obligé d'acheter les blocs spécifiques. Si je veux, je peux faire ça. Tu peux les poser, ouais. Oui! Effectivement. Ah, il a posé la mitrailleuse. J'aime. En fait, tu te rappelles de mon délire avec les échelles? Ah bah tiens. Je suis plus obligé de le faire du coup. La vulcaine. Posons du feu. Tu l'as posé? Ah non, c'est vrai. Il faut une certaine. Poser des barrières aussi. Hop, hop, hop. Oui, sulfateuse, les mecs. Encore une autre. Tiens. Oui. Franchement, ça c'est une bonne nouveauté que je trouve sympa. Le fait qu'on puisse avoir tous les blocs. Je n'ai pas creusé ton terrain. Sans problème. Ah. Tombé dans le vide. Vous n'avez rien vu. C'est faux. Donc, ça c'est pour faire par exemple un peu comme dans Counter-Strike les destruction d'un objectif. On doit poser une bombe et détruire l'objectif qui est là. Si t'as remarqué, je viens à la seconde d'en m'en apercevoir. Mais maintenant, le bouclier oui. Est, il est, qu'est-ce que je voulais dire? Ils te disent quand tu l'as ou quand tu l'as pas. Ah oui, quand t'as un petit qui clignote. Ouais, un petit truc qui clignote, je vais me suicider pour le montrer. Donc le petit truc qui clignote sur ma vie, regardez, attention, le respawn. De petits sangs là sur le côté. Ouais, là où il y a ma vie, regardez bien ma vie, voilà, il y a des petits trucs qui clignotent. Donc ça veut dire que j'ai un bouclier qui est indestructible. Donc en créatif, ça sert à rien du tout. Mais vous allez voir, un multijoueur, c'est pratique pour éviter le spawn kill. Mais c'est du bouclier qui tient. La preuve, là, je viens de retomber, tout à fait par hasard. Hein. D'ailleurs, là, j'ai failli retomber. Oui, par hasard. Le bouclier tient genre quoi, 10 secondes. Et pendant 10 secondes, même si vous sautez dans le vide, vous ne mourrez pas. Bon, vous mourrez au bout d'un moment quand il sortira, parce que le vide est infini, mais... Ça, c'est pour faire des captures de drapeaux. Capturer des drapeaux. Enfin, bon, c'est assez... je vais pas expliquer comment fonctionne entièrement le mode édité. Hein. Vous verrez ça par vous-même. Écoute, Villa, ce que je te propose, c'est de passer un petit fight, un petit combat. Avec la mitraillette de base. Bah oui, mais. Elle est puissante, mais j'ai un doute. Y a pas de. On peut pas acheter d'armes pour le moment. Quand on a goûté à la BPSH. Eh, regarde, on peut empiler le feu. Comment tu fais? T'es où? Oh, regarde la grosse colonne de feu. Wow, ok. Bah, c'est facile, tu poses un feu. Tu ne veux pas passer plus de 20 briques de ce type. Très bien. Ah, tu peux pas plus. Bah écoute, Villa, ce que je te propose, c'est de passer un petit combat. Attends, regarde. D'ailleurs, on a combien de temps là? C'est combien de. Là, on est à 14 minutes. Ouais, mais je te propose de passer un petit combat. Si on veut, on peut voir, montrer un petit peu le mode où on se fight. Okay. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, alors. Allez, quitte la salle. Quitte la salle. Cette fois-ci, c'est moi qui crée. On va sur Battle 01 Frofre. Sinon, on va sur une carte du monde ou pas? Pour voir un non, petit mais peu. On va voir, attends, Battle 01 Frofreux. Ok, donc Battle 01 Frofreux. Créer, je vais mettre Skybridge. Mais fais une map où il y a sans code, comme ça les gens pourront rejoindre, ça pourrait être marrant.
Ouais, si tu veux. Limite de temps 10, objectif 80, tout Non, à... mais moins en limite de temps, parce que bon, on a Hein? pas fait un truc. Mais genre 5 minutes en limite de temps. Alors, voilà, Hypol comprendra tout de suite cette map. Donc, voilà. Ok. Patate, ok. J'arrive. Alors là, on n'a pas d'équipement, on aurait dû acheter une arme, mais bon, c'est pas très grave. On achète une arme ou pas? Non, non, c'est bon, on va le faire sans déjà parce Ok, que. donc ben, je suis ready. C'est quand Start. tu veux, fais péter. Alors, on va voir Alors. si c'est des nouveautés, hein, parce que. Prêt à tirer? Ah, t'as eu le son? Prêt à tirer? Bah, moi j'ai entendu Ready for action! Enfin, il va falloir que je change C'est le. nouveau ça. Alors, voyons voir. Ah, elle me. Cette. Bon, bah, je n'ai plus la fumée. Je suis triste. Tant mieux. Ça a changé les décors, il me semble. Non, c'est. Non. Non, mais c'est les options. Ouais. Non, c'est. Il est beau le marqueur de vie. Avant, on pouvait. Oui, voilà, c'est ça. Ah, purée, il m'a eu. Bien joué. Parce que t'as plus beaucoup de vie et puis, comme on peut pas récupérer aussi facilement. Non, mais je crois qu'on va pouvoir poser des packs de. Oui, j'ai vu aussi ça. Il y a, dans les options, dans les nouveautés, on peut acheter des petits éléments comme ça. C'est ce que je t'avais dit dans les. Ah! Voilà, je t'ai pris en traite parce que t'avais plus de vie, donc Avec ce bon. qui me restait de vie. Comme t'as pas pu te Bon, régénérer. si vous faites tab, évidemment, comme dans la plupart des FPS, vous avez les scores. Tab. Bon, attends, tu vas voir parce que. Là, t'es refull vie. Attends que je te chope. Si je te Même trouve. plus. Par contre, je suis déçu d'une chose, on ne peut pas sprinter. Si, j'ai vu qu'il y avait aussi des atouts qui permettaient Oh! de. Traître! J'ai vu qu'il y avait aussi des atouts qui permettaient de, comment dire, d'accélérer la vitesse. Ouais. Alors, vous allez voir son petit bouclier là quand il va respawn. Non, bah tu ne me verras pas. Pourquoi t'es où? Parce que je viens de le perdre, les boucliers. Oh purée, je voulais voir le bouclier. Bien non, moi je ne veux pas que tu le voyes. Alors, où est-il? Il va encore me prendre en traître. Purée! Suicide! Entre-tuer! On s'est suicidé entre nous, Alors, mais non. ce rire va m'énerver encore plus que le précédent. Lequel? Ce rire. Nya! Ah oui! Grenade! D'accord, ok. T'es où? T'es où? T'es où? Oh, on recharge pas automatiquement! C'est un atout ça aussi, ça s'achète. C'est un peu chiant ça, tout s'achète, c'est dommage. Purée, purée! Grenade, grenade! Non! Tu peux Oups! t'en lâcher. Oh si si! Oui! Oh non, elle a pété, mais t'as pas Nya, tué. nya, nya. Bien joué, bien joué. Tu as esquivé ma grenade. Il n'y avait rien de sorcier. Ah ouais, vous l'avez peut-être vu au loin. Le pitié à Hypol bouclier. Ouais, peut-être vu aussi Villa, loin. Au loin. Oh! Oh, ça c'était bon ça. Les headshots ne sont plus marqués à ce que je vois. ouais, apparemment. Ça dépend, peut-être qu'il faut bien viser, je sais pas. Oh! Ah oui, je t'avais vu avant, désolé. T'avais pas ton bouclier pour te protéger. Sauf que là j'ai plus que 12 de vie et comme on peut rien récupérer. Bah pas encore, enfin ouais. Enfin non, enfin peut-être, enfin je ne sais pas. Oh la grenade, t'as pété au nez, t'as rien fait? J'ai plus que 20 PV! Oh mais je She's comprends just pas. Ah for t'as me! touché, ok. Voilà. Je Un câlin. comprenais pas parce que t'avais pété au nez pourtant. Et ça t'a rien fait. Ouais, j'adore ce camion. Surveille le temps, Villa, comme ça, si on peut aller faire une petite partie aussi à d'autres joueurs, ça pourrait être sympa. Ah, on est à 18 minutes. Écoute, il reste 4 minutes. Ce que je te propose, c'est que le prochain kill. Prochain kill. Bon, écoute, c'est moi qui suis mort. Mais on change de map, on va voir une map d'autres personnes. Ok, bon, on est à 500-500 en plus. Attends, est-ce que tu peux mourir, esprit, pour que les gens voient ton bouclier indestructible? Ah non, mais peut-être qu'on pourra le voir à multi, je sais pas. Ouais. Ouais, allez, Dans on la va. même équipe, ce sera mieux. Bon, allez, Ouais, on on change. quitte. On va y voir d'autres personnes. On va sur. Non, et non, une partie en cours. Non, viens, on va sur notre Beginner 1EU. Il y a beaucoup Non, de on va monde. sur Pomme Map. Mais non, tu veux pas sur Beginner 1U? Il y a Je beaucoup suis de pas monde. beginner, moi. Oh. Mais c'est pas grave, viens, viens. Sur Y a pas, non, Beginner. y a beginner freufreux. Mais Comme oui, y a mais y a personne. personne dans Beginner On va Freufreux. sur beginner EU. Allez, ah oh, purée, fais tourner un bourrique là. On se met Skybridge encore? Non, on l'a déjà fait, on va sur Cargo Cay plutôt. Ok. Le 3? Impossible d'accéder à la salle, ok. On va sur Fun Map.
Ok. Allez, c'est parti. T'es où? Tu n'es pas dans mon équipe. Je suis en rouge et toi? Ah, t'es en bleu, on le voit, il est là. Réseau P2P n'est pas prêt. On va essayer plus tard. Comment ça, le réseau P2P? What? C'est quoi ça? Oulala! C'est bon, j'ai réussi à accéder. Ah, mais c'est. Oh là là. C'est quoi non, ça? Non, mais n'oublie plus ça et c'était ma passe. Ah oui! C'est quoi ça? Ah, ça, ce sont les maps. Ah, regardez, j'ai pas de live. Les maps à explorer. Attends, je te propose de changer parce que là ça pique trop les oreilles. Ouais, pareil. Ouais. Donc, ça, ce sont les maps à XP. Ça, c'est pour vraiment gagner l'XP rapide. C'est un peu. Ouais, mais c'est pas très fair play. C'est bien nul. Y'a bus dépôt aussi. Bus dépôt. Ah, il est plein, il est plein. Pas aller nulle part. Je te propose. Warehouse diffusion. Warehouse Warehouse. Warehouse. Ouais. Warhams de quoi, le combien? Je sais pas, je le trouve plus. Diffusion. Dusty. Le dernier. Ou alors plutôt Compound, la numéro 28. On est à 21 déjà. La 28. La numéro 28? Ouais. Ok. Allez, c'est parti. Je mets dans la même équipe que toi, t'es où? En bleu. Change. Là. Ok. En espérant que ce soit facile, soit une bonne map. Est-ce qu'on est où, iPhone? Je sais pas, là, je peux pas te dire. Par contre, il y a un petit temps. Ok, ouais. Ah, mais... C'est quoi cette map? Genre, elle m'a fait PSH. Oh, il y a Brick Shot. Énorme, ça m'a fait Brick Shot. Il y a du monde, quand même. Par contre, je vous dis tout de suite, Brick Force, c'est un jeu dans lequel il faut baisser le son. Moi, je l'ai baissé, moi. Je sais pas toi, mais... Je l'ai baissé. Oh, au... Ok, d'accord, on arrive, on perd. Super, c'est génial. On arrive, on perd. Bon, alors, c'est l'occasion de montrer la liste des gens, les petits E qui représentent les bonus. Et là, vous pouvez faire évaluer, vous pouvez mettre une note à la map, ce qui rapportera des points à la personne qui l'a fait. Si... Mais vu que là, apparemment, c'est personne qui l'a fait, donc personne ne l'a fait. Au fait, Vida, à ce propos, tu sais les atouts que tu parlais, régénération de vie, accélération, tout ça. C'est dans les mes objets ou dans la boutique, tu peux en acheter dans objets spéciaux. Ça te dit si je gueule dans la salle, vous passez sur YouTube? De quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Si je crie dans la salle où on est, vous passez sur YouTube les gens. Ouais, dis, sinon mets-toi ready, sinon ils vont te kick. Ouais, moi je le dis quand même. Voilà. Vous passez sur YouTube les gens. Voilà. Vous pouvez dire coucou, surtout qu'on est à 23 minutes. On va pas pouvoir longtemps. Ah, puis ouais, je voulais écrire pareil, mais. Bon, c'est pas grave, on peut dériver un peu. Moi, j'ai fait des vidéos de 30 minutes là dernièrement, alors. Ça met un peu de temps à uploader, mais ça va. Mais je crois que je vais me relancer dans du Minecraft. Il y a une vidéo Minecraft qui arrive bientôt d'ailleurs. Où vous verrez notre ami Kant, peut-être iPol encore, mais on ne sait pas. Ouais, je viendrai. On n'est pas sûr. Alors. Ça sera un nouvel épisode de Planète Cube. Je m'éloigne parce que nous m'écoutons et c'était grave. Ouais, je suis premier à avoir fait une équipe. Il est vrai. Oh purée, mais il passe devant moi là. Ah, ok, je viens de mourir, mais l'objectif de viser est plus précis. Ouais, ça bouge un petit peu moins les armes, il me semble. Enfin, c'est. Faut dire que je jouais avec la BPSH avant. Le truc, que tu tires une balle, t'as l'arme qui fly. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mon arme. Ah, tu es. Ok. J'espère que le son est pas trop fort. Hein. Ah! Ça pique les oreilles. Pourtant, je l'ai mis au minimum. Ouais, il est pas au minimum. Mais... Oh, oh, oui, un trit. Oui, le mot. Vous dire un trait. Un trit. Et c'est lui qui m'a vu finalement. Ouais. Un trit. Ah non, mais le mot quoi. Ah, oh, purée, mais. D'accord. S'ils me tuent à une vitesse incroyable, c'est parce qu'ils ont des meilleures armes que nous. Ah, mais c'est vrai que Brick Force, tu m'entends plus à Hippol. Oh là. Oui, moi je t'entends plus non plus. Et tu viens de te faire tuer. Bah oui, mais. Oui, spawn kill en plus. Ah, bah on a spawné chez l'ennemi. Mais c'est pas possible. Ils sont partout. Ils ont envahi le spawn et malgré le bouclier, ça. Le bouclier n'a pas l'air de les arrêter. Ouais, c'est bizarre.
Ouais, mais c'est bizarre de faire changer. Complètement différent. Il y a beaucoup de. Ouais. Vous avez vu iPol qui. iPol qui demande aux gens de mourir. Oui, il y avait un gars là, je vais tirer dessus. Alors. Il est sympa, il leur demande poliment de mourir. Oui, je sais, c'est toujours été mon fort, la gentillesse. Bon, ah bah ça va, ça fait un moment que j'ai pas joué, mais je retrouve mes marques. Je fais le gros bâtard. Je suis déjà dans le peloton de. Ah! Dans le peloton de tête de la partie. Bah oui, mais. J'arrive pas. Hop, Brickport, voilà. C'est extrêmement fin. J'ai pris un traître. Ah! 30 de vie. Ah, 25 minutes là, pour le moment. 25 minutes? Bah écoute, ça devrait être bientôt fini, non? C'est quoi l'objectif de cette vidéo? Cette partie? Y'a pas un objectif de point? C'est sans l'objectif. Ok, d'accord. Bah, mais c'est pas possible. Ok, bon, mais je pense qu'on va pouvoir laisser nos viewers sur cette partie. Je tiens à dire, parce que j'oublie souvent de le dire, mais n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Pareil. Et à mettre des pouces bleus verts. Je n'arrive pas à me décider sur le fait qu'il soit bleu ou vert, Non, moi bleu, je préfère bleu. D'ailleurs, on peut le voir, là je suis dans l'équipe bleu. Car mon arme est bleue. Mettez un pouce bleu. Oh. On voit tout de suite la puissance des gens qui ont acheté une arme. Ouais, on voit la différence, c'est vrai que. Surtout, moi je te dirais à iPol de me rejoindre au spawn pour finir. Bon, on quitte la partie carrément. Attends, on se rejoint. Je suis même pas sûr qu'on nous entende là. On se rejoint au spawn, je t'attends au spawn. D'accord, attends, dès que je meurs, j'arrive au spawn. Je vais te percer. Moi je viens de faire un kill au passage. Dis ce que j'ai fait. Oh, ouais. Bon, mais je suis mort, je suis au spawn. Et on clôture là-dessus. Voire même après, pendant qu'on coupe la vidéo, on n'est pas obligé de quitter le serveur. Ça fera des points. Monte, je suis en haut, iPod. Ah, t'as mis des dispo de kill là. Ouais. J'arrive. Villa, je suis là. Ouais, bon. Bon, moi je t'attends comme ça, je te. Attends, voilà. Je remonte, reste. Voilà. Là, c'est moi, je suis là. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Villa de m'avoir accompagné. Et voilà, ben, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à commenter, à mettre des pouces bleus, des pouces verts. Moi je resterai sur le fait qu'ils sont verts au départ. Voilà. Non. Allez, salut tout le monde, merci d'avoir regardé.